Si le front d'Orient donne quelques satisfactions aux Alliés, il piétine sur celui de Salonique. Quant aux Italiens, ils entrent en guerre seulement le 24 mai 1915. Les foules italiennes sont mobilisées dans un enthousiasme relatif. La propagande de guerre est animée surtout par les nationalistes, Gabriele D'Annunzio par exemple. Un des combattants les plus patriotes, c'est Benito Mussolini, le socialiste dur, hier pacifiste, devenu furieusement nationaliste. Les Alliés ont fait à l'Italie des promesses. Ils ont acheté son entrée en guerre. Ils lui ont concédé par avance des territoires pris à l'ancienne Autriche-Hongrie, essentiellement dans l'Adriatique. Le Parlement italien a voté la guerre après une longue période d'hésitation. Les Italiens sont devenus guerriers. Jadis partenaires des Allemands et des Autrichiens dans la Triple Alliance de Bismarck, ils ont changé leur veste. Quant au gouvernement de Vienne, il est bien décidé à contenir les revendications italiennes sur les villes slaves de la côte, sur les îles de Dalmatie et peut-être même sur le Tyrol du Sud. Voilà donc les Alpins, les Bersagliers, en faction sur les pics des Alpes. Une guerre épuisante sur des pics glacés qui demande aux soldats des sacrifices quotidiens. Ils doivent traîner des canons sur leurs épaules dans la haute montagne. Cet officier observe à la jumelle une petite ville italienne qui devait plus tard être le lieu d'un désastre, Caporetto. La flotte italienne a pour mission de surveiller l'Adriatique et d'empêcher les navires autrichiens de quitter leur base de Pola, où ils disposent pourtant de plusieurs unités lourdes, renforcées de sous-marins allemands. Ces sous-marins sont acheminés par voie ferrée et remontés sur place. Le premier champ de bataille est le Trentin. Deux larges vallées y entaillent les Alpes. Les Autrichiens y lancent quatre divisions expérimentées qu'ils ont retirées du front russe, avec 2000 canons lourds de conception récente. Le général italien Cadorna est convaincu que les montagnes sont sa meilleure protection et que les Autrichiens n'attaqueront pas. Deux de ses quatre armées s'étirent sur un front de 250 km. Cadorna n'a pas bonne réputation auprès des officiers généraux alliés. Bon stratège, mais mauvais tacticien, il n'est pas économe de la vie de ses hommes. Il l'est moins encore quand les Autrichiens attaquent, en mai 1916, avec toute la puissance de leur artillerie de montagne.
En moins d'un mois, les Italiens sont chassés de leur position et se retrouvent 20 km en arrière dans le plus grand désarroi. Heureusement pour Cadorna, Broussilov attaque dans l'est et les Autrichiens doivent retirer 4 divisions du front du Trentin. Ils ont d'ailleurs du mal à approvisionner leur front en raison des routes étroites et de l'épuisement de leur production de guerre. Les Italiens retrouvent donc leur position antérieure au prix de lourdes pertes. 145 000 morts, blessés et disparus, contre 80 000 Autrichiens seulement. Après le Trentin, Cadorna a un deuxième champ de bataille, celui de l'Isonzo, qui court sur 100 km. Cadorna veut prendre Gorizia sur la route de Trieste. Pour les Italiens, Trieste est un objectif mythique, comme Strasbourg pour les Français. Cadorna se dépense sans compter, plus de 12 batailles terrifiantes, meurtrières, où les hommes tombent par milliers. Ils doivent emporter chaque colline, escalader dans le plus grand péril, des pics l'un après l'autre, pour se retrouver sur le plateau désertique du Carso, où les vents hurlants battent des pierres aussi pointues que des couteaux. Chaque obus fait éclater le rocher en 1000 éclats mortels. Cadorna épuise son armée qui frappe sans relâche. Le Carso, mortellement froid l'hiver, chaud et paludéen l'été. Le Carso, c'est le Gallipoli de Cadorna. La sixième bataille du Carso a lieu en août 1916. Les Italiens s'accrochent bec et ongles sur le plateau. Ils creusent au besoin des tunnels pour avancer à toute force, avancer sur Gorizia. Les Italiens entrent dans Gorizia, mais aussitôt Cadorna, pris de peur, hésite à poursuivre sur Trieste. Il redoute que le commandement autrichien n'envoie des renforts. Les Autrichiens contre-attaquent. Voilà Cadorna rejeté sur ses bases de départ, prêt à livrer une 7e, une 8e, une 11e bataille de l'Isonzo. Les adversaires s'enterrent dans leur ligne de tranchée. Le front ne bougera plus. Il n'y a pas d'échec et mat. Les prisonniers autrichiens portent la tristesse sur le visage. Ils ont été battus contre les Russes, ils n'ont pas gagné contre les Italiens. Vienne, 21 novembre 1916. L'empereur François-Joseph vient de mourir à l'âge de 86 ans. Il régnait depuis 68 ans. Les funérailles sont en tout point conformes
au rituel Moyen-Âge des Habsbourg. Un capucin implore l'admission au paradis de frère François, ce pécheur. Sa mort rend les Autrichiens orphelins. Le nouvel empereur est un petit-neveu. Charles a 29 ans. Il veut bien faire, mais il manque totalement d'expérience et ne jouit pas de la confiance des Allemands. Zita, son épouse italienne, le pousse à se détourner de l'emprise allemande. Charles entame des conversations secrètes avec les Alliés qui n'aboutissent pas. Pendant qu'à Vienne, la famine s'installe. Le prix des vivres devient inabordable et la population est si épuisée qu'elle se montre dangereusement apathique. Partout les éclopés du front, les blessés, les fantômes effrayants. Le pape Benoît XV prend l'initiative d'une demande de paix blanche au nom de l'épuisement des peuples. Il faut signer une paix sans annexion, revenir au statu quo, mettre fin au carnage. Impossible. 30 millions d'hommes sont morts. Cette démarche du Vatican tombe à l'eau. Les Alliés n'y donnent pas suite. Les Allemands, grands voleurs de territoire, sont-ils disposés à les restituer? L'Autriche-Hongrie est la meilleure alliée de l'Allemagne. Puisque la paix n'est pas possible, le nouvel empereur Charles demande en Italie l'aide du Kaiser qu'il rencontre à cet effet. Le Kaiser cherchait à obtenir des renforts italiens sur le front de l'Ouest. Il est très déçu d'avoir à voler au secours de son allié. Cependant, il lui promet de venir. L'Autriche, lui dit-il, peut compter sur l'Allemagne pour attaquer l'Italie par jure. Tout est prêt pour qu'une nouvelle bataille s'engage avec des renforts allemands. La 12e bataille de Lisonzo. Dans l'histoire, elle porte le nom de Caporetto. Octobre 1917, 4 heures de bombardement au gaz, 1 heure de préparation d'artillerie. La 14e armée du général von Below s'élance avec ses 6 divisions allemandes et ses 9 divisions autrichiennes. Elle s'est depuis longtemps et dans le plus grand secret préparée à l'offensive. Le plan est de s'emparer du village de Caporetto, un secteur calme à l'écart du front principal qui permet de tourner le flanc de l'armée italienne, de l'isoler, de l'enfermer dans une nasse et de descendre ensuite vers la plaine lumineuse. Tous les moyens nécessaires sont réunis. La coordination des unités allemandes et italiennes est assurée avec fermeté dans tous les cas. On attend l'heure de l'attaque avec confiance. En peu de temps, le coup de bélier germanique perce le front italien. Le général Cadorna est complètement surpris. Ses soldats essayent de soutenir la violence du feu ennemi. Thank you.
Caporetto est un désastre. 700 000 hommes sont rejetés dans la plaine de Lombardie en une immense cohue qui s'étale sur 120 km. 700 000 hommes que l'on parvient à grande force avec l'aide des conseils de guerre qui condamnent les déserteurs et les insoumis à organiser sur la Piave. Le roi supplie ses troupes de se reprendre. Soyez une armée unie. La lâcheté est de la trahison. Le général Cadorna est renvoyé à juste titre. On considère que la défaite est son œuvre plus que celle des soldats. La charge des Autrichiens s'arrête dans la plaine. Ils manquent désormais terriblement de munitions. Leur avance trop rapide n'a pas permis aux approvisionnements de suivre. Le 10 novembre, ils sont sur les rives de la Piave. La rivière est large, infranchissable. Elle inonde facilement la vallée. Les Autrichiens tentent à plusieurs reprises de la franchir, en vain. Pendant la bataille, les Italiens ne résistaient pas sur leur ligne. Ils s'enfuyaient en désordre le long des routes surchargées. Ils jetaient leurs masques à gaz inefficaces. Ils sortaient de leurs tranchées pour se rendre. Cadorna avait perdu en une seule journée 350 000 hommes. 270 000 s'étaient rendus. Les prisonniers italiens criaient volontiers « Vive l'Autriche !» ou « Venez à Rome !» Ils en avaient assez de cette guerre. Le patriotisme des débuts avait fait place à un découragement profond. La plus mauvaise épée valait mieux que cette guerre-là. Ils avaient le sentiment d'avoir été entraînés dans la guerre par leurs dirigeants. Un ambulancier américain de 19 ans avait été blessé à la bataille. Il se nommait Hemingway. Un curé de 26 ans, engagé comme aide sanitaire, avait vécu cet enfer. Il serait pape plus tard sous le nom de Jean XXIII. Un jeune lieutenant allemand, Erwin Rommel, s'était distingué dans l'infanterie. Le but des Alliés était très simplement de maintenir l'Italie dans la guerre. Il fallait pour cela envoyer des renforts français, britanniques et même américains à la fin de 1917. Un visiteur anglais de noble prestance demande rendez-vous au roi d'Italie. Il sollicite un engagement dans l'armée. Le roi refuse, il ne veut pas d'incident diplomatique. Son solliciteur est le prince de Galles. Un pilote américain de 35 ans combat en Italie, Fiorello La Guardia. Il sera maire de New York. L'hiver est calme sur le front, terriblement froid. Mais le printemps est bientôt là, avec les offensives qui reprennent. Les Autrichiens et les Allemands veulent de nouveau percer le front italien, même renforcé par les Alliés. Les Autrichiens attaquent. En France, les Allemands attaquent. Est-ce qu'ils vont gagner la guerre? Sur la Piave, les Autrichiens sont repoussés. On attend la dernière offensive, celle des Alliés, qui fera exploser l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Les Italiens l'emportent avec l'aide des Alliés. À l'automne, les divisions allemandes ne sont plus là. Ludendorff les a appelées sur le front de France. L'Autriche est en train de s'écrouler. Son armée ne continue à se battre que pour tâcher d'obtenir une paix décente. Décembre 1917. Derrière les lignes aigres de la guerre, les Américains se font connaître et apprécier très vivement par la population. Le 25 décembre, ils s'habillent en Père Noël pour distribuer aux enfants des présents venus d'Amérique. Ils apprennent à connaître les femmes et les filles de France. Parfois, ils les épousent. Eh oui, les petites Lorraines deviendront quelquefois de parfaites Américaines. Les Alliés connaissent une grave crise du commandement. Le danger allemand est considérable en avril 1918. Un nouveau commandement suprême a été créé au profit de Foch. Pershing confère aussitôt avec lui. Courtois, mais ferme. Les Alliés sont impatients d'utiliser les forces américaines. Pershing discute toujours. Mais il y a urgence. La ligne alliée est attaquée en avril. La pression des Allemands est très forte. Ils cognent à coups de masse pour écraser leurs ennemis. Les Américains doivent pour la première fois livrer bataille près du village de Cantigny. Au matin du 28 mai 1918, la première division américaine s'ébranle, sous le commandement français. Avant l'aube, le barrage violent d'artillerie a ouvert la voie. Pendant 5 jours, les Américains ont répété leur attaque derrière les lignes. Ils ont pris les Allemands par surprise. En 1 heure, ils se sont emparés, après un rude assaut qui a causé de nombreuses pertes dans leurs rangs, du village de Cantigny. Pour la première fois, des troupes américaines ont livré bataille sur le sol de l'Europe. Ils ont fait 200 prisonniers allemands. Neuf jours plus tard, ordre à la 2e division américaine. Fantassins et marines sont prêts à l'action. Leur objectif ? Un petit bois récemment occupé par les Allemands et qu'il faut leur reprendre. Bois Bello. À travers champs, dans le bruit terrifiant de la bataille, les marines s'approchent de leur objectif, flanqués à droite par l'infanterie. Un espace vide avant le bois. L'ennemi les attend. Bois Bello. Quel joli nom de terroir français. En fait, le bois est un piège.
un nid de frelons hérissé de mitrailleuses, très adroitement camouflé. Pendant des jours et des jours, les Yankees attaquent. Ils souffrent. Ils sont cloués sur place. Ils vivent en 3 semaines le cauchemar que l'Europe a vécu en 4 ans. L'usure atroce, les gains de terrain nuls. Les officiers du renseignement réussissent à faire parler un prisonnier. Il donne les emplacements de mitrailleuses et de canons. Dès lors, l'artillerie de barrage peut faire son travail sur des cibles désignées. Le 25 juin 1918, les Yankees attaquent une fois encore. Un rapport d'état-major allemand l'explique. L'effet de nos tirs d'artillerie ne pouvait empêcher sérieusement l'avance des Américains. Ils avaient perdu dans les combats de Bois Belleau 8000 des leurs pour s'emparer d'un tout petit objectif. La pression allemande sur le front ne se relâche pas. À la mi-juillet, les armées allemandes atteignent le point culminant de leur campagne. Décimées par plusieurs mois d'attaques incessantes, elles croient encore à la victoire. Juste devant elles, des vallées, le dernier obstacle. Le plan d'attaque est appelé Friedensturm, l'ouragan pour la paix. Les renforts viennent de l'Est. Les Allemands sont en mesure d'aligner devant les lignes alliées 2,5 millions d'hommes. Ils frappent là où ils sont attendus, dans un secteur tenu par une armée française épuisée qu'il semble facile de submerger. Les Allemands veulent percer. Feu roulant d'artillerie, synchronisation des armes. Stoßtruppe, troupes entraînées pour l'assaut. Mais les Alliés ont trouvé la parade, la défense en profondeur. Derrière les premières lignes, 4 divisions américaines attendent. L'ancien se rappelle. Quand nous montions en ligne, dit-il, nous chantions. Des chansons de marche comme au camp d'entraînement. Un autre témoin se rappelle de la route elle-même, des villages bombardés, des magasins éventrés, des réfugiés fuyant les Allemands. Le 15 juillet, à Château-Thierry, les Allemands passaient la Marne. Sur 35 kilomètres, ils tenaient les deux rives, à l'est de la ville. Les Alliés livraient une nouvelle bataille de la Marne. De nouveau, les Allemands étaient à 30 kilomètres de Paris. Mais pour y parvenir, ils devaient franchir l'une après l'autre les lignes de défense des Alliés et les pertes étaient lourdes. Au printemps de 1918, la guerre continue à l'ouest. Un dangereux printemps. Tous les jours, Paris est bombardé par un tube allemand d'une portée de 100 km qui tire dans le même axe, nord-sud, le long du boulevard Saint-Michel.
Certains jours, les explosions se succèdent toutes les 20 minutes. Le jour du Vendredi Saint, un obus explose dans l'église Saint-Gervais, 91 morts. C'est la dernière manifestation de la guerre terroriste allemande. Elle fera dans Paris 876 victimes civiles. Depuis le 21 mars, Paris est de nouveau menacé par une avance allemande sur la Marne. Cette avance rappelle soudain les mauvais jours du début de septembre 1914. Panique dans la capitale. On évacue les enfants. Le gouvernement partira-t-il à Bordeaux ? Est-on revenu 4 ans en arrière ? La poussée reprend en avril pendant 20 jours. Une impitoyable bataille dans les Flandres et sur la Marne. Le Conseil suprême interallié est réuni à Versailles. Clémenceau demande avec la plus insistante énergie, au nom de la solidarité interalliée, la montée en ligne immédiate des renforts américains. Lloyd George, la mine défaite. Il ne peut promettre à Foch un soldat de plus. Le général Pershing câble le jour même à Washington que Paris peut être perdu d'un jour à l'autre. Tous les invités de l'hôtel Trianon à Versailles donnent dans la morosité, dans l'angoisse. Aucun ne se souvient alors que les Allemands en 1914 avaient déjà souffert de la trop rapide avancée de leur ligne. Personne ne pense, à commencer par Pershing, que la marée allemande peut être contenue grâce aux renforts américains. Depuis un an, les Duke Boys s'entraînent en France, mais ils sont loin d'être tous prêts à entrer en ligne. De nombreuses unités sont encore en cours d'instruction. D'autres viennent d'être formées. Il est certes grand temps qu'ils rejoignent la bataille. Certains ont déjà combattu à Bois-Belleau, à Château-Thierry, le long de la Marne en feu. Depuis le 1er juin 1918, Château-Thierry est tombé. Le quartier-maître général Ludendorff a reçu de nouveaux renforts du front de Russie. Il a minutieusement préparé son offensive qui sera la dernière. L'offensive de juillet qui doit le conduire à Paris. Paris. 1 million de Parisiens ont déserté la capitale. On entend au loin le canon de la Marne. Comme en 1914, les Allemands sont tout prêts. D'un hurrah de cavalerie, ils peuvent arriver jusqu'à la tour Eiffel. Clémenceau est au pouvoir. On l'appelle le Tigre. Il tiendra, coûte que coûte. Le vieil homme avertit les pacifistes et les défaitistes. Il fait la guerre. Il n'entend pas être gêné par les traîtres, par les tièdes, par les amis des Allemands. Pourtant, il est plein de défiance à l'égard de ses généraux. Pétain a dressé le plan de la riposte. Profiter des deux saillants exposés de l'avance allemande pour les réduire. L'un des saillants dans le secteur britannique est du côté d'Amiens. L'autre dans le secteur français s'avance sur la Marne. Il ne faut pas attendre plus longtemps, dit Pétain, pour ouvrir une brèche à la charnière des deux saillants, autour de Soissons. Foch décide aussitôt d'utiliser les deux atouts maîtres qu'il a dans son jeu. Le premier atout, c'est les tanks, dont il dispose par centaines. Et le deuxième, c'est les Américains. Deux divisions américaines, la première et la seconde, intégrées à l'armée française. Thank you.
Parmi les Américains, il y a des anciens. Il y a tous ceux qui ont vu le feu, notamment à Compiègne et à Bois-Belleau, qui ont été durement frappés. Mais il y a aussi des bleus. Des bleus qui ne sont pas assez bleus pour penser que la guerre ne peut pas être gagnée. The Stars and Stripes, leur journal de guerre, renforce tout à fait cet état d'esprit et se livre à ce que les Français appellent le bourrage de crâne. Il est rédigé à Paris par des journalistes en uniforme. Le soldat Harold Ross, par exemple, futur fondateur du New York Magazine. Ou le sergent Wolcott, futur critique dramatique du New York Times. Ou le capitaine Adams, déjà très connu dans le public. Le lieutenant Grant Landrae, c'était journaliste sportif. Il décide de raconter la guerre comme un match de football. Il faudrait citer tous les journalistes de talent. Ramon, qui est déjà en route pour la presse Hearst. Roy Howard, tête de l'United Press, qui de lui-même a choisi de se fixer à Paris. Lloyd Gibbons, blessé à Bois-Belleau et retournant à la guerre à peine guéri. La presse est bientôt mobilisée pour l'affaire de Soissons, parce que là, la 10e armée prépare une formidable offensive avec les divisions coloniales françaises, les divisions américaines, 350 chars. Alors toute la logistique se rassemble et les journalistes regardent les wagons de munitions tout proches, les wagons-citernes pleins d'eau potable, les cuisines roulantes pour la soupe, les caissons d'artillerie et cette bizarre cavalerie française, ces dragons terriblement archaïques au milieu des chars qui grincent des chenilles. Les chars sont capricieux et médiocrement blindés. Mais on compte sur eux pour débusquer les Allemands dans leur ligne mitrailleuse. Une attaque surprise qui n'esquive pas tout de même la préparation d'artillerie lourde. Mais au combat, l'artillerie, c'est le char qui désormais la porte. Le rush est au petit matin, le 18 juillet 1918. Ce choc surprise est une première. Pour la première fois, la rupture est obtenue grâce à l'emploi massif des chars. Ils accompagnent l'attaque de l'infanterie. Ils la rendent possible en réduisant sans risque les nids de résistance. Ils viennent de changer la guerre. L'offensive Mangin a commencé, soutenue au sud par la 6e armée de De Goutte. Toute l'aviation disponible participe à l'action. De proche en proche, l'offensive devient générale sur toute la ligne. Foch l'a exigé de Haig. Et sur toute la ligne, c'est la victoire. L'avance des Alliés est irrésistible. Ludendorff est surpris par les chars, certes, mais beaucoup plus encore par les Américains dont il ignorait l'existence.
Les Américains perdent la moitié de leur force de frappe en 3 jours, mais chargent en poussant des cris d'Indiens et bousculent tout devant eux. Les Allemands reculent pour ne pas être encerclés dans leur saillant. Ils ont accusé le premier choc et ne s'en remettent pas vraiment, faute de réserves à lancer dans la bataille. Les Alliés les pressent vivement. 5 divisions américaines participent à l'action. Elles lancent des têtes de pont sur la Marne, sur l'Aisne, sur la Vesle. L'ordre du jour de Mangin salue le courage des Américains. Les Allemands sont repoussés sur le chemin des Dames. Les Français exultent. Ils viennent de remporter la seconde bataille de la Marne. Ludendorff a été complètement surpris dans ses calculs par l'importance des effectifs américains en ligne. Les Américains se détendent au front avant la nouvelle offensive. En 3 semaines, la victoire est acquise. Les troupes sont expédiées au repos pour quelques jours. Et selon leur habitude, ils chantent, ils chantent, ils chantent encore. It's a long way to Tipperary. It's a long way. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Ow, 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 it's a lovely war. Who wouldn't be a soldier and, oh, it's a shame to take the pain. As soon as rebellion has gone, we feel just as heavy as lead. But we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed. Ow, 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 it's a lovely war. Isn't it lovely? What do we want with eggs and ham? Ready for fun and apple jam. Fun for tractor. How shall we spend the money we earned? Ow, 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 it's a lovely war. Oh, we never get up. Never get up. Till the sergeant brings our breakfast up to bed. It's a lovely war. Isn't it lovely? What do we want with eggs and ham? We'll need fun and apple jam. Fun, force, right turn. How shall we spend the money we earn? Oh, 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 it's a lovely war. Mama moon shines over the cow shed. I'll be waiting at the kitchen door. Oh, I'll be waiting at the kitchen door. You're the only girl that I adore. I adore. I'll be waiting at the kitchen door.